Shalom, 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 bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Bonjour à toi, de là où tu te trouves. Nous sommes encore réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes encore assistés ce matin de tous nos anges gardiens, de toute la milice céleste, de tous les saints et les saintes du ciel. En ce matin, nous voulons proclamer la victoire de notre Seigneur, sa main qui est étendue sur chacune de nos vies, sa main qui est posée dans nos familles, dans nos foyers, sa main qui est posée dans nos différentes communautés, sa main qui est posée dans nos différentes nations. Et en ce matin, nous le proclamons haut et fort. Nous le proclamons parce que sa main vient redonner la victoire à nos âmes, vient redonner la victoire à ceux qui pensaient avoir perdu. Sa main encore vient relever, sa main encore vient fortifier, sa main encore vient redonner force et courage, sa main encore vient combler tout ce qui est vide, tout ce qui était vide en nous. Il comble encore les vases vides de nos vies. Il comble encore les vases vides de nos familles. Il vient tout simplement combler et davantage faire du bien. Seigneur, en ce matin, te montre sa toute puissance. La main du Seigneur, en ce matin, te fait triompher. Il te montre déjà tes victoires à venir. Il te montre déjà ta victoire qui est déjà là, présente. Et par cela, il a besoin que tu sois un témoin authentique. En allant tout simplement proclamer. Proclamer ses hauts faits dans ta vie. Proclamer ses bontés dans ta vie. Proclamer tout simplement ce qu'il t'a donné de toucher, de voir.
en ce matin, il te dit, mon enfant, va proclamer, va dire à mes enfants, va dire à tes frères, va dire à tes sœurs ce que j'ai fait dans ta vie. Va leur dire que ma main a toujours été posée sur toi. Va leur dire que ma main a triomphé dans toutes les situations de ta vie. Va leur dire que ma main a triomphé dans toutes les eaux troubles de ta vie. Alors bien-aimé, va proclamer les bienfaits de Dieu. Va proclamer là où il t'envoie, va proclamer, car c'est signe de témoignage pour une âme qui en aura besoin. Va proclamer. Va tout simplement dire à cette âme, mon Dieu est grand, mon Dieu est rempli de bonté, mon Dieu est fidèle, car il a répondu à mon appel, il a répondu à ma prière. Par sa main, il a répondu. Par sa puissance, il a répondu. Par sa puissance, il a agi. Et ce qu'il a promis, il a fait. Et il continuera de le faire. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur t'a fait triompher. Et en ce matin, je crois que la main du Seigneur m'a fait également triompher de toutes ces différentes eaux troubles de ma vie, de toutes ces situations qui perduraient encore. Il m'a fait triompher de tout ce qui paraissait impossible. Il m'a fait triompher car il s'est levé et il a dit un mot dans ma vie. Et de la même façon qu'il a dit un mot dans la vie de Elisabeth, de la même façon qu'il s'est levé, il a dit un mot dans la vie de Abraham. De la même façon qu'il s'est levé et qu'il a dit un mot dans la vie de tous ces Israélites, il se lève encore en ce matin pour dire un mot dans ta vie. Il se lève encore en ce matin pour dire un mot dans ton foyer. Il se lève encore en ce matin pour dire un mot dans ta famille. Il se lève encore en ce matin pour dire un mot pour ton travail. Il se lève encore en ce matin pour dire un mot dans ta maladie. À toi qui m'entends, entends et garde-le. Car Dieu a dit un mot dans ta vie. Même si tu ne le vois pas, il a dit un mot dans ta vie. Il a dit un mot dans la vie de tes enfants. Toi qui pleurais encore dans la vie de ton enfant, Dieu se lève en ce matin et il parle dans la vie de cet enfant-là. Il se lève en ce matin pour l'établir, pour le positionner dans son champ. Il se lève encore en ce matin pour te dire à toi, femme, sèche tes larmes. Il te lève encore en ce matin pour te dire à toi, père de famille, arrête de ruminer, car j'ai dit un mot dans ta vie. Je ne suis pas simplement un Dieu de miracles, je suis plus que cela. Il est comme un ami, et à un ami, on lui confie tout. Et en ce matin, je prie que cet ami à qui tu as crié, qui est l'éternel Dieu des armées, puisse également se confier en retour à toi, qu'il puisse aussi te révéler et te montrer les choses cachées, les choses qu'il ne pourrait dire à aucun autre si ce n'est toi. Alors sois cet ami-là pour lui. Pour toi, il s'est levé en ce matin. Pour toi, il s'est levé en ce matin. Pour toi,
Il s'est levé en ce matin pour toi et moi. Il s'est levé en ce matin pour toi et moi. Crois et tu verras. Il s'est levé en ce matin pour toi. Il s'est levé en ce matin pour toi. Il s'est levé en ce matin pour toi. Crois et tu verras. Il s'est levé en ce matin pour toi et moi. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Oui, bien-aimé de Dieu, en ce matin, Dieu s'est levé pour toi et moi. Il s'est levé pour ton foyer, pour ta famille, pour ton travail. Peu importe les situations de ta vie, crois seulement et tu verras, car il a parlé. Il a réellement parlé dans ta vie. Et je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.